Oui, je suis une grande fan de Oui. Non, je rigole, c'est mon frère. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la vidéo de ma chambre. Donc je vous ai déjà fait une vidéo, mais le jour où j'avais aménagé, du coup il n'y avait rien dedans en fait. Donc je vous la montre maintenant qu'elle est bien aménagée. Donc on commence tout de suite avec ma porte. Donc je suis en train de la remplir un peu. Donc j'ai mis, vous pouvez le voir, des cartes postales, des studios, donc du trio et du chemin de traverse comme on peut le voir au studio. Mes deux tickets, donc le ticket de ma mère et de moi-même, des studios. Un petit marque-page que j'ai eu avec le stylo baguette. Et en attendant d'avoir un beau cadre pour le mettre, l'esquisse que j'ai eue dans l'édition limitée du livre, du grand livre des créatures. Parce que j'ai acheté l'édition où on pouvait avoir cette esquisse. Ensuite, à côté de la porte, on a... Oula, elle a un petit peu bougé d'ailleurs. Une petite liste des baguettes. Donc, qui vient du catalogue Silvoé 2013, il me semble. Bon, là, c'est juste un quête que je veux vendre. Donc, je vous fais une petite vue d'ensemble. Je queen. Super, mes chaussures queen. Voilà, vous pouvez voir un peu. Donc, on commence tout de suite avec mon bureau. Donc, il est un peu en bazar. Voilà. Donc, je vous rassure, oula, ça c'est en fait des choses que je vends, si ça vous intéresse, hein, parce que je me débarrasse un petit peu, même si, comme je vous avais dit, je suis très matérialiste, je me débarrasse un petit peu de tout ce que je n'utilise plus depuis longtemps, afin de gagner des sous pour Harry Potter, qui est donc ma nouvelle passion depuis longtemps, mais voilà. Donc on a bon une lampe, etc. Mon collier des reliques de la mort. En déco, j'ai mis le livre, d'ailleurs il est caché, c'est bête. Harry Potter, l'école des sorciers, édition de luxe que Marvin m'a offert pour Noël. Ici, c'est quand on est allé en Martinique, mes parents ont ramené beaucoup de rhum pour nos amis et tout, parce que c'est le truc principal en Martinique, avec les bananes. Et du coup, je l'ai gardé parce que c'est une petite vitrine sympa. En plus, c'est écrit Saint James, donc c'est une marque de rhum. Et du coup, je trouvais cette petite vitrine sympa, on sait jamais ce que je peux mettre dedans. Hein. Bon, après, un petit peu du bazar, de bazar. Là, c'est le colis que je dois envoyer à une abonnée à qui j'ai ramené des trucs des studios. Là c'est le colis du swap de Marvin. Là-bas c'est des souvenirs des studios et de Martinique. Dans un sac, hop. Ici on a donc des lettres, donc un petit paquet de lettres. Là-bas c'est tous mes classeurs Harry Potter où dedans je mets tout mon bazar Harry Potter avec plein de trucs en fait pour faire des paper props et tout. Donc ensuite on a ma chaise. Enfin là non, on a des Picsou parce que je vais m'en servir pour faire des livres Harry Potter. Donc je vais imprimer les couvertures. Donc excusez-moi pour la petite coupure. Donc sur ma chaise, nous avons ce qu'on pourrait trouver sur une chaise de la salle commune des Gryffondor. Donc mon cardigan, mon écharpe et ma cravate. Donc j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà. Donc maintenant ici, nous avons mon étagère à bric-à-brac. Donc là-haut, nous avons un petit peu tout, voilà. Tout un bazar, ici nous avons des livres, nous avons des baguettes que j'ai fabriquées, un Rubik's Cube, une carte de la France, des photos avec mes amis, une tirelire Sangoku, un diadème, un trivial poursuite Disney, un Milborne, super. Ici donc nous avons une photo de ma maman, ma soeur et moi, des livres que j'ai toujours pas rendus à ma tati, et que j'ai jamais lu d'ailleurs, un pot que j'ai fait au centre aéré quand j'étais toute petite, avouez qu'il est magnifique, il fait plutôt peur, mais c'est pas grave. Donc une petite boîte à musique que j'ai depuis longtemps, un réveil, voilà, nous avons ici tout plein de DVD, le DVD du Potter Live à l'exposition, une balle de baseball que j'ai acheté à Tour Eiffel, ici nous avons des pounds, donc voilà, bon je vous passe un peu des détails, bon, ici nous avons ma chaîne Ifi, la boîte de mes lunettes, des petits flacons de potions qui me servent à attraper les araignées, étant donné que j'en ai une grosse phobie, donc c'est soit ça, soit je dors pas de la nuit. Bon, ici, nous avons encore tout un tas d'affaires. Ici, mes affaires de cours et tout mon bordel. Voilà. Ici, nous avons donc le ticket de l'expo parce que je retourne à l'expo. Et cette fois, j'ai pris le billet collector. Donc, vous verrez ça dans une vidéo qui arrive dans la semaine. Ici, nous avons ma cape de Gryffondor avec en dessous mes backwheels que j'ai depuis très longtemps. Ici, nous avons donc, ça va être mon mur à autographe. Donc, pour l'instant, j'en ai mis qu'un parce que j'ai pas de carte pour les autres. Ici nous avons la fiche de la Coupe du Monde de Quidditch. Donc on va passer à ma poutre. Donc nous avons ma poutre principale.
Donc dessus j'ai mis les 4 drapeaux des maisons. Donc avec des trucs qui correspondent aux maisons. Donc là j'ai mis le truc de fleur de la cour parce que je savais pas où le mettre. Et je trouvais que ça allait bien avec. Mais je sais très bien que fleur de la cour n'est pas à Poudlard et encore moins à Serre d'Aigle. Ici nous avons Serpentard avec l'affiche du collier d'Opale que j'ai eu lors du marathon, que j'ai gagné pardon, lors du marathon Harry Potter. Ici nous avons Pouf Souffle avec le petit papier de Cédric Diggory. Et ici Gryffondor avec une affiche des canons de Chudley et le nom de Harry. Donc sur ma fenêtre j'ai fait ceci. Donc voilà, avec des petites lettres. Donc je trouve ça super sympa. Ici je me suis trompée, hein, j'ai mis deux rouges à côté, c'est une horreur. Mais voilà, c'est pas grave. Donc on passe à mon lit. Bon là dessus il y a mon ordi avec le livre des créatures magiques et ma PSP. Donc ici mon poster que j'ai eu à Noël. Un poster qu'une amie à ma soeur m'a donné et le poster de l'Harry Potter Book Night. Donc il faut que j'achète des posters. Hein. Alors nous avons tout d'abord... Donc excusez-moi mais c'est très dur de filmer parce qu'il fait très chaud parce que je suis, comme vous pouvez le constater, sous le toit. Du coup, il fait vraiment très très chaud et je ne peux pas ouvrir ma fenêtre le soir parce que sinon les moustiques vont rentrer. Voilà, c'est super. Du coup, voilà, je... Et comme avec la protection, ma tablette était assez lourde. Du coup, je suis obligée de faire des pauses, mais là, ça va mieux, je l'ai enlevé. Donc, bref, c'était la vie de Julie. Donc, nous avons sur l'étagère principale donc, une gourde que j'ai gagnée au cross, mais ça, tout le monde s'en fout. Donc, nous avons de ce côté la photo de ma mère et moi dans la foire d'Anglia, les lunettes de Harry... ma tasse de bière au beurre, oh, ma baguette, ma magnifique baguette qui est cachée, donc Rémi du Potter Live a faite et que j'ai gagné à l'Expo Harry Potter. Donc, très belle baguette, c'est ma baguette d'ailleurs. Potter Live, donc elle est un peu cachée, c'est dommage, je vais plutôt faire l'inverse. Voilà. Donc ici mes deux baguettes, donc de Harry et de Rogue. Ici mon soifle avec à côté mon rappel tout. Donc je suis un peu dégoûtée parce que derrière la boîte est cassée, il y a un trou en fait, du coup je suis dégoûtée. C'est pour ça que je la mets contre le mur, parce que derrière elle est tout abîmée. D'ailleurs je suis assez embêtée parce que beaucoup des boîtes que j'ai ramenées se sont abîmées. Le soifle ça va, c'est la seule qui a survécu, mais donc voilà je suis un peu dégoûtée que toutes les boîtes que j'ai ramenées se soient abîmées. Ici une petite cagnotte, c'était mon ancienne cagnotte pour les studios. Ici la photo de moi sur un balai avec le papier de mon billet collector. Les badges que j'ai eu au studio et une sucette des studios. Donc ici nous avons mes livres, du moins les livres qui ne sont pas de la saga, parce qu'ils sont tous chez ma mère, à part le 6 parce que c'est celui que je suis en train de lire. Donc on a ma petite collection de livres, donc vous savez bien dans toutes les langues. Donc d'ailleurs je suis en train d'en rechercher en ce moment, donc si vous savez où je peux en trouver. Là normalement je peux en avoir un en russe, allemand et en d'autres langues, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui peut me les vendre. Donc voilà, je compte les acheter après les vacances, pendant les vacances. Ici, c'est donc la petite trilogie. Ici, c'est le Harry Potter 3 dans cette édition. Parce que je l'ai trouvé en vide-grenier vendredi. Ici, c'est le côté DVD et cassette. Donc avec un jeu vidéo que j'ai également trouvé dans son vide-grenier. C'est pour ça qu'il y a ma PSP. Derrière, vous le voyez pas, mais il y a mes DVD bonus. Avec, c'est les doubles éditions avec les bonus. Ici, les deux cassettes avec... le coffret d'Harry Potter à l'école des sorciers. Ici on a la magie des films dans le DVD RV, la RW, avec la bande son d'Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, et ici toute ma trilogie, enfin tous mes HP. Donc ici nous avons le livre que je suis en train de lire actuellement, donc Twilight, avec un petit peu mon bric-à-brac, une prise, là-bas le livre tout ça, c'est Harry Potter 5 que j'ai trouvé pareil en grenier. Un petit truc parce que comme j'ai pas de store je mets un truc sur les yeux que j'ai volé dans un avion et voilà. Donc ici nous avons un petit peu de bazar, donc mon cahier de rêve Harry Potter etc etc. Ensuite donc attendez, quelle chaleur, c'est affreux, puis la musique s'est arrêtée, c'est un peu le semestre, excusez-moi mais c'est vraiment affreux, je me demande si je vais survivre jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer mon hamac, donc qui vient, oula, de Martinique, avec dedans des petits, un petit nounours que j'ai ramené de Martinique et un coussin d'Haribo. Et donc, enfin, donc une énorme peluche. Et mon petit meuble HP. Donc là, il est en bazar, il faut que je le range d'ailleurs. Donc, en dessous, vous pouvez constater donc, mes sachets, donc des studios et de l'expo.
ça me stresse. Il faut que je le remette droit. Hop. Voilà. Donc on va commencer par le bas. Donc en bas, nous avons tout ce qui est coloré. Excusez-moi si je bouge beaucoup. Donc vous pouvez voir mon rappel tout, tous mes trucs. C'est un peu un bazar. Donc ça, c'est des cartes qu'on m'a envoyées. Je sais pas si je vous les avais montrées, je crois, dans une vidéo peut-être. Donc Cécile, si tu regardes cette vidéo, merci encore. Donc d'ailleurs, c'est pour elle que le colis est destiné, que je vais envoyer dans la semaine d'ailleurs. Cécile, si tu vois cette vidéo, je suis vraiment désolée du temps que ça a pris. Donc là, c'est des paper crops que j'ai reproduit grâce au livre La Magie des Films, des fèves, des lots du marathon Harry Potter ici et là. Tout plein de trucs que Marvin m'a fait, voilà, etc. Ici, nous avons un peu le côté potion et rien du tout. Donc ici, nous avons une photo de Lily et James, des petits paper crops que vous connaissez, le ticket de la voie 9 3 quarts que j'ai acheté et que j'ai fait, petite différence. Hein. Encore une plume, une bougie que la sœur de Marvin m'a offert, des tatouages, ça c'est un faux, mais voilà. Ici dedans, il y a la potion polynectar, un chaudron que j'ai trouvé en brocante. Ici, c'est un peu l'étage des lettres et des journaux. Donc avec du coup la petite fève d'Edwige. Donc plein de journaux connus de la Gazette du Sorcier. Des petites lettres. Lui, je sais pas pourquoi je l'ai mis là parce que je savais pas où le mettre. C'est le nom de Cédric en version miniature. Ici, c'est pour si je veux en refaire. Ici, c'est la punition de Harry. La lettre top secrète. Mon passeport des studios. Plein de lettres. Et Voldemort. Et là, c'est mon étagère préférée, c'est l'étagère bonbon. Donc ici, nous avons la boîte à flemme avec des petits trucs, des jumeaux Weasley. Et Onedux aussi, me semble. Ici, nous avons encore une sucette, la tablette de chocolat, mais elle est vide. La boîte que j'avais faite moi-même. La choco-grenouille avec ma carte. Et une bouteille de bière au beurre, mais... oula. Aïe, j'ai failli tomber. De jus de citrouille, mais le bouchon s'est cassé. C'est magnifique. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de ma chambre. Je vous refais une petite vue d'ensemble. Donc voilà un petit peu comment elle est pour l'instant. Ça va changer bien évidemment, hein. Je vais mettre beaucoup plus de posters, de trucs sur les poutres et tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne de mon partenaire Olaf Rider. D'ailleurs, j'ai une annonce à faire dans la prochaine vidéo qui arrivera donc dans la semaine. Donc j'aurai plusieurs annonces à vous faire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.